Là par exemple tu vois, j'ai très peu de chance tu vois de garder la construction. Parce que justement, lui il joue sur les serveurs européens, il est en Europe. Et moi, je suis en Afrique et je joue sur les serveurs européens. Ça va être compliqué là. Ok les mecs, du coup on est parti pour se faire un petit drop à Salty Springs. Et je vais en profiter pour vous expliquer comment est-ce que je fais pour jouer à Fortnite en étant au Maroc, parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent. Mais avant ça, on n'oublie pas le code créateur ENOMYSKILL bien évidemment pour avoir un maximum de shield. Voilà, tu le mets, puis après tu peux continuer la vidéo. Mec, tu joues sur quel serveur? Tu joues sur les serveurs européens? Tu joues sur les serveurs africains? Ok les mecs, du coup dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Comment est-ce que je fais pour jouer à Fortnite en étant au Maroc? Il y a énormément de gens qui me demandent sur quel serveur est-ce que tu joues? Comment est-ce que tu fais pour jouer avec beaucoup de ping, etc, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, d'abord lui, je vais le tuer là. Tu vas arrêter, s'il te plaît, de te cacher. Viens ici. Voilà, merci bien. Ok, il y a un autre mec dans cette maison là. Ok, il est en dessous. Ok. Nice, let's go. T'as cru que j'allais continuer à casser ou c'est comment? Je suis pas bête moi. Oh holy shit. Holy shit, qu'est-ce qu'il me veut lui? Holy shit. Let's go! Oh, let's go! Je savais pas qu'il allait crever. Alors, du coup, je reçois des dizaines et des dizaines de commentaires sous mes vidéos en fait. Du style, ouais, t'habites où? Est-ce que c'est vrai que t'habites au Maroc? Est-ce que c'est vrai que t'habites en France? Du coup, je vais un petit peu tout vous répondre dans cette vidéo. Juste, je vais essayer de tuer ces mecs là. Déjà lui. Hop là, une tête. Déjà lui, il s'est pris une petite tête. En fait, je sens que si je commence à répondre à la question, tu vois. Enfin, si je commence à expliquer pourquoi, je vais avoir tout le monde qui va me sauter dessus. Ok, toi, t'es mort. Ok, let's go ça. Il y a un autre mec je crois. Il me semble avoir entendu un autre mec. Je vais prendre le pont, tac. Ok, let's go ça. Le petit pompe chasseur qui fait plaisir. Ok. Il y a un autre mec qui arrive encore. Mec, mais on a... ça n'en finira jamais genre. Ok, let's go baby. Ça, ça déguerpille. Il avait quoi comme stuff? Ok, il avait un peu de stuff. Oh, en vrai, ça va son stuff. Ça va, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va même prendre des petites popos ici, là. Ça, je prends. Non, on va garder quand même les planeurs. Parce que c'est cool. On ressort quand même de Salty avec 7 kills. Ce qui est pas mal du tout, en vrai. What? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai pas compris là. Du coup je disais on sort de Salty avec 8 kills et pas 7, ça fait plaisir. Alors, pour répondre à vos questions, alors oui, déjà j'habite au Maroc parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent où est-ce que j'habite, etc. dans les commentaires. J'habite au Maroc. Après la ville, etc. j'ai pas forcément besoin de vous dire. Mais voilà, j'habite au Maroc. Pour ceux qui savent pas, c'est en Afrique. Et du coup, je joue à Fortnite sur les serveurs européens. Parce qu'il n'y a pas de serveur africain qui existe sur Fortnite. Alors. Deux petites minutes, je vais vous expliquer comment ce que je fais pour ne pas laguer. Alors deux secondes, déjà lui je le tue. Voilà. Du coup je vous le disais, c'est le mec qui vient de mettre deux grosses balles là. Et après il reprend la conversation comme si c'était normal. Et on est quand même à 9 kills hein. On est quand même à 9 kills. Alors pour pas laguer en fait, j'ai une fibre que je paye 100€ par mois. Ouais, ça fait mal au cul, mais voilà. Même si je lag quand même un peu, parce que j'ai la latence en fait. Parce que comme du coup je suis sur serveur européen et que les serveurs européens sont très loin de où j'habite, bah c'est ce qui fait en fait que j'ai de la latence. Donc voilà, c'est pour ça que des fois en vidéo bah j'arrive pas à reprendre les constructions des ennemis, tu vois, des trucs comme ça. C'est à cause de la latence justement que j'ai. Mais ça je peux rien y faire donc bon. C'est la vie. Oh, calme toi mec. Calme toi mec. Ouais, il s'est énervé le mec là. Wow, le mec il s'énerve. Pourquoi tu t'énerves, mec? Calme.
Là par exemple tu vois, j'ai très peu de chance tu vois de garder la construction. Parce que justement, lui il joue sur les serveurs européens, il est en Europe. Et moi, je suis en Afrique et je joue sur les serveurs européens. Ça va être compliqué là. Il a pas d'être mauvais en plus le mec. On va pas voir où il est. Il est où le mec? Ok. Oh merde, il m'a baisé. Oh, il m'a baisé, GG. Oh, bien joué. Vraiment, félicitations. Alors du coup on va finir la vidéo en faisant une petite map edit en mode créatif de mon Graal. D'ailleurs vous avez le code dans la description aussi où vous allez tester la map. Elle est vraiment cool, honnêtement je la kiffe, je l'ai déjà fait d'ailleurs dans une vidéo où je teste les parcours que les joueurs pro utilisent. Vous avez la vidéo dans la description. Du coup on va finir la vidéo sur cette petite map plutôt sympa. Voilà, faut que je lance le jeu par contre. Si ça veut bien lancer le jeu. Du coup on va finir la vidéo sur cette petite map. Voilà, on lance le jeu tranquillement. Et ça m'apparaît au-dessus. Yes, super. Ah, faut que j'aille en bas, faut que je casse, je crois. Faut toujours faire ça. C'est comme ça avec cette map, tu dois toujours aller là. Et tu dois casser parce que les spawns, ils sont pas bons. Mais du coup, voilà, tu commences ici. Bon, du coup, on est parti pour faire cette petite map plutôt sympa. Let's go, les mecs. Du coup, voilà, c'est à peu près tout au niveau de pourquoi est-ce que j'habite au Maroc, etc., etc. Enfin, pourquoi est-ce que j'habite au Maroc, ça c'est plutôt personnel, tu vois, je vais pas vous dire. Mais voilà, pour tous ceux qui me demandaient, vous voyez, comment est-ce que ça se fait que tu habites au Maroc, ou bien comment ça se fait que tu joues à Fortnite à partir du Maroc, ou bien encore, j'ai même eu, comment tu fais pour live à partir du Maroc, tu vois, ça c'est des questions plutôt drôles les mecs. Au Maroc, il y a quand même la connexion, hein. Faut pas croire que parce qu'on est en Afrique, il n'y a pas de connexion ou quoi. Certes, on n'est pas sur les serveurs européens, on n'est pas sur notre serveur à nous, du coup on n'est pas sur les serveurs africains parce qu'il n'y en a pas, sur Fortnite simplement. Mais voilà, on a quand même de la connexion. Et on a de la latence quand on joue sur les serveurs européens, ça c'est normal. Voilà, on peut rien y faire, c'est la vie. D'ailleurs, mes 90 qui bug un peu. Tac. Et puis voilà, vous pouvez voir qu'en plus les edits elles sont pas. Enfin, tu vois, c'est pas compliqué, c'est pas hyper compliqué d'edit, mais en jeu, il y a de la latence, tu vois, ça se ressent. T'es pas aussi fluide, tu vois, que par exemple si tu jouerais en France ou un truc comme ça, tu vois. Ou bien sur un autre pays, bien dans un autre pays européen. Ouais, tu vois, je préfère des bonnes edits et tout, mais je suis limité quand même, tu vois. C'est ça le problème. Hop. Allez, on édite, on édite, on édite, on édite, ouais, ouais, ouais. Le joueur marocain directement qui édite vers le bas. Et qui se fail. On le voit directement. Ok, ça va. Hop, tac, 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 hop. Tac. Merde. Le fail. Le fail du joueur marocain, hop, tac. On continue les edits, là on prend le pompe. Hop. Merde. Hop. Du coup voilà, en fait le seul problème d'habiter au Maroc, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de serveur africain. D'ailleurs j'attends vraiment ça, je sais pas s'ils ont prévu d'en faire Fortnite. Mais s'il y a des serveurs africains, vraiment ça va être un truc de ouf. Genre je vais pas du tout laguer, tu vois, je vais avoir aucune latence. Et là mec, je vais pouvoir jouer un maximum au maximum de mes performances, ça va être trop bien. Hop. Tac, tac. Ça on connaît déjà comment on fait. Hop, hop, hop. Et voilà que c'est fait. Un bon petit temps quand même si j'ai fait pas mal de fails. J'ai fait un temps qui est pas trop dégueulasse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres vis-à-vis de où j'habite, etc. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez des vlogs, parce que j'avais pensé à faire des vlogs. Mais voilà, je sais pas si ça va vous intéresser. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Et sur ce, on se laisse. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao.